sainte, je vais aller à Marie, elle est à soi dans l'enfant. Alexandre, ici, c'est une salle qui est vidéo. Donc, il y a des micros, il y a des caméras. Donc, personne ne va pouvoir déformer tes paroles et il n'y a personne qui va pouvoir déformer les miennes. Est-ce que tu me comprends bien? Parfait. Pour les fins de l'enregistrement, Alexandre, est-ce que ça te dérange si je t'appelle Alexandre? Non, pas de problème. Tu peux m'appeler Steve, d'accord? Donc, Alexandre, pour les fins de l'enregistrement, moi, je vais me présenter. Je suis le sergent enquêteur Steve Girard des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Est-ce que tu peux dire ton prénom et ton nom de famille, s'il vous plaît? C'est Alexandre Bissonnette. Bissonnette? Est-ce que ta date de naissance? C'est le 1er décembre 1989. Parfait. Avant de commencer, Alexandre, je voudrais m'assurer de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que j'ai mal au cœur. T'as mal au cœur, ok. Est-ce que tu es correct? J'ai comme mal au cœur. D'accord. Ce que je vais faire, je vais t'amener une poubelle, ok, au cas où que tu aurais besoin. Tu comprends? Si tu as une urgence, si jamais tu penses que tu es capable de te rendre aux toilettes qui sont peut-être à 25 pieds plus loin, tu me le dis. On se dépêche pour sortir, d'accord? Oui. Parfait. Merci. Tiens, je vais te mettre là. Merci. Parfait. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que tu as besoin d'aller à la salle de bain? Oui. OK, parfait. Tantôt, je t'ai offert de si tu avais faim. Est-ce que tu as faim? Non. Veux-tu un autre jus? Non. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir, on va aller à la salle de bain, puis on va revenir ici. D'accord? OK. OK? Bien. Je vais sortir 2 minutes et je reviens. D'accord? Si tu as besoin de quelque chose, Alexandre, tu as juste à le dire. Mon collègue qui est venu à la salle de bain avec nous, il est à côté, il écoute. Donc, si tu as besoin, il va être là pour répondre à tes besoins. Est-ce que tu me comprends bien? Parfait. Thank you.
T'en as une bouteille d'eau? Un lait au chocolat? Oui, mais... Ça peut peut-être. Je sais que tantôt tu m'avais demandé avec du sucre. Il y a un peu de sucre là-dedans, ça pourrait te faire du bien. D'accord? Ok. Alexandre? C'est moi qui ai été demandé pour te parler aujourd'hui. Je suis un policier d'expérience. Ça fait 28 ans que je suis dans la Sûreté du Québec. Et ça fait 16 ans que je rencontre des gens, entre autres, qui ont commis des crimes graves et de violence, comme le meurtre. D'accord? Donc, je suis habitué d'écouter des gens. Je suis habitué d'entendre des choses. Et je te dis ici, aujourd'hui, je suis pas ici pour te juger. Je suis ici pour essayer de comprendre des choses. Tu comprends bien ça? Parfait. Avant d'aller plus loin, je sais que tout à l'heure, je te l'ai dit, mais je veux que ça soit très clair. Okay? Moi, je suis pas ici pour te jouer une game. Moi, tout va être très, très clair. OK? Puis, je te le dis... je suis un policier qui est honnête et tu vas le voir, je vais l'être tout au long de notre rencontre. Okay? Faut que tu comprennes qu'on va passer quelques heures ensemble. C'est un événement qui est important et je vais prendre le temps de discuter avec toi pour essayer de comprendre. D'accord? Tu me comprends bien? Oui. Parfait. Une autre chose, je vais te demander d'être très attentif. Tu l'as été tout à l'heure lorsqu'on t'a amené à appeler ton avocat. Mais là, je veux vraiment que tu sois attentif encore une fois. D'accord? Donc, Alexandre, je suis policier, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, je suis policier à la Sûreté du Québec. Tu es en état d'arrestation pour 6 meurtres. D'accord? 6 meurtres, 8 tentatives de meurtre et d'avoir commis un acte de terrorisme. Tu me comprends bien? Est-ce que tu es capable de m'expliquer c'est quoi un meurtre dans tes mots? Pardon? Je peux pas en parler. Pourquoi? Parce que je peux pas. Pour quelle raison tu peux pas? Parce c'est trop difficile? On ne tente pas d'en parler. D'accord. Je vais t'expliquer c'est quoi un meurtre. OK? Un meurtre... Je vais garder le silence là-dessus. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ton droit. D'accord? Alexandre? Oui. Ça va être ta décision, si tu veux me parler. OK? C'est toi qui vas avoir à décider, si tu veux me parler. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, c'est une journée très importante pour toi. OK? C'est une décision qui t'appartient à toi. D'accord? Donc, un meurtre, Alexandre, c'est de causer la mort d'une personne de façon volontaire, puis en ayant l'intention de le faire. Tu comprends bien ça? Oui. Pour ce qui est des tentatives de meurtre, donc 8 tentatives de meurtre, une tentative de meurtre, c'est d'attenter à la vie de quelqu'un de façon volontaire, avec l'intention de commettre le meurtre. D'accord? Et pour ce qui est de l'acte de terrorisme, j'aimerais ça que... S'il y a un pas. Veux-tu des Kleenex? Oui? Oui. OK. Robert, tu vas-tu m'amener des Kleenex, s'il vous plaît? Donc, pour ce qui est de l'acte de terrorisme, je vais te lire un passage du code criminel. D'accord? Je vais te demander d'être très attentif. C'est un peu technique. D'accord? Donc, c'est de faire un acte, une action ou une omission commise au Canada ou à l'étranger et que cet acte ou action ou omission constitue une infraction au Canada au nom
exclusivement ou non d'un but, d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. D'accord? Donc, ça peut avoir, c'est de faire un acte, OK, avec soit une idée politique, religieuse ou idéologique. Tu me comprends bien? D'accord. T'as le droit de garder le silence. Tu dois savoir qu'on est des policiers. T'es pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tu dois comprendre clairement que si tu désires parler, tout ce que tu vas dire sera enregistré et ouais. ça pourrait servir de preuve. Oui, c'est ça. OK? Parfait. Tu comprends bien ça? Je comprends ça. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Ben, que vous êtes ici pour faire votre job. OK. C'est ça que je comprends. D'accord. Job à faire. C'est ça. D'accord. Mais de ce droit-là, est-ce que tu comprends quelque chose? Ton droit au silence? Oui, oui. Je me suis fait expliquer tantôt. D'accord. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ça va être tout le temps ta décision. De prendre... Tu as la décision de me parler. De t'expliquer. Ouais. Et ça va tout le temps être ta décision. D'accord? Ouais. T'as le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de ton choix. Sans égard à votre situation financière, vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat de l'aide juridique au numéro 1-800-842-2213 ou du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-0011. Est-ce que tu as bien compris? Qu'est-ce que tu comprends de ton droit à l'avocat? J'ai le droit d'appeler un avocat. Oui. Oui. OK. Puis si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va avoir l'aide juridique pour m'aider. Et ça, l'aide juridique, c'est quoi? C'est un organisme qui donne des avocats pour ceux qui n'ont pas les moyens. D'accord. Donc, qui est payé par l'État? On se comprend bien? D'accord. Et je comprends que ce matin, tu as parlé avec un avocat, une avocate de l'aide juridique. Oui, c'est vrai. C'est vrai? D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. Est-ce que c'est clair, tous les droits que tu as? Sont clairs. Et ça, je te le dis, ça, c'est quelque chose de très important. C'est fondamental pour toi. Okay? Que tu puisses prendre une décision éclairée, Alexandre. Oui. D'accord? Sûr. Au meilleur de tes connaissances. Donc, pour nous, c'est très important que tu comprennes bien tes droits. D'accord? Oui. Oui. Hier soir, là, moi, je n'étais pas là lorsque les policiers m'ont arrêté. Tu comprends que, depuis le début, qu'est-ce qui est important pour moi, Alexandre? C'est que tes droits soient respectés. Tu comprends bien ça? Oui. Si c'est possible, si tu... Pour m'assurer que tous tes droits ont été respectés et que l'intervention policière hier soir a été faite selon les règles, est-ce que tu peux me résumer dans tes mots à toi? Prends le temps que tu veux. Du moment que les policiers sont rentrés en contact avec toi, de quelle façon ça a été fait?
pour qu'on puisse s'assurer de ta bonne compréhension. D'accord? De ces événements-là. Quand les policiers sont entrés en contact avec toi. Et ce, et jusqu'au moment où moi je suis rentré en contact avec toi. Est-ce que tu es capable de me faire un résumé de ça? Ah, oh, je sais pas. Si tu te concentres un peu. Un flash. Si tu te concentres. J'étais dans la cellule à Québec. OK. Puis j'ai passé la nuit là. D'accord. Il y a un policier qui écoutait de la musique. OK. Mais si je te demandais de reculer un petit peu, c'est-à-dire la première fois que tu es rentré en contact avec un policier, tu sais, quand les policiers sont arrivés à toi, tu sais, là, tu te souviens hier d'avoir fait un appel au 911? Hein? Tu te souviens d'avoir fait un appel au 911? Ah ouais? J'ai appelé le 911. Oui. Oui, oui. Bon, OK. Et tu as eu une conversation avec un répartiteur du 911, tu te souviens? Je veux pas reparler. Je veux juste. Je veux pas en parler. Pour quelle raison? Parce que. De mourir. Est-ce que tu crois que c'est la bonne décision? Oui. Moi, je crois pas. Ben oui, c'est la bonne décision. Alexandre? Alexandre, regarde-moi. Est-ce qu'on répare d'une erreur par une autre erreur? Je crois pas que c'est la bonne décision. J'en suis convaincu même. D'accord? T'as fait une erreur. Mais c'est pas en faisant parce que, à un moment donné, t'as eu des pensées de le faire ou ce que tu me dis là, que tu vas. Que ça va être la bonne chose à faire. D'accord? Tu me comprends bien? D'accord. Est-ce que tu acceptes de m'expliquer pendant que tu parlais avec. Les gens, le répartiteur, qu'est-ce qui s'est passé quand les policiers sont arrivés? Prends ton temps. Je veux pas en parler. OK. Ce que je vais faire, moi, j'ai eu accès au rapport des policiers. Tu comprends bien ça? Oui. Chaque policier qui fait une intervention doit faire un rapport. Et ces rapports-là m'ont été donnés pour que je puisse en prendre connaissance pour m'assurer que ça avait été fait de la bonne façon. Okay. Mais tu comprends que la meilleure personne qui peut me confirmer que ça s'est fait de cette façon-là, c'est qui? Tu penses? Je veux pas en parler. Ben, c'est toi. Fait que je vais m'assurer que ça avait été fait de la bonne façon. Ce que je vais te demander, c'est de m'écouter attentivement. D'accord? Attentivement. Puis s'il y a quelque chose qui n'est pas faite selon tes souvenirs. Je ne sais pas, je ne veux pas en parler. Si. Je puis y penser, puis je ne veux pas en parler. Mais tu sais, c'est pas en essayant d'arrêter d'y penser. C'est pas magique. Hein? Tu comprends? Je suis pas capable, c'est ça. Je ne veux pas en parler. D'accord. Mais je t'ai demandé de m'écouter. D'accord? Oui. Puis s'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire dans le résumé de l'intervention des policiers. Je sais pas, je ne veux pas en parler. C'est moi qui vais parler. D'accord, Alexandre? C'est moi qui vais parler. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, j'espère que tu vas me le dire. D'accord? D'accord? Ça fait qu'hier soir, aux alentours de 20h10, 20h15, tu as fait un appel au 911.
comme tu m'expliquais tout à l'heure, ça, tu te souviens de ça. Et donc, tu as eu une conversation avec le répartiteur. Suite à ce que tu lui as dit. OK? Et je rentre pas dans les détails. D'accord? Je rentre pas dans les détails de ce que tu lui as dit. Mais suite à ce que tu lui as dit, ça l'a amené les... Excusez. Ça l'a amené les policiers de Québec à aller, à se présenter où ce que tu étais, c'est-à-dire aux alentours de l'autoroute 40, en direction de Sainte-Anne-de-Beaupré, à la hauteur environ du pont de l'île d'Orléans. C'est ça? Donc, après d'avoir été en contact avec, pendant plusieurs minutes avec le répartiteur, un homme, les policiers sont arrivés sur les lieux et ils ont procédé à ton arrestation. C'est bien ça? Pour les événements qui se sont passés hier soir. C'était des policiers du groupe tactique d'intervention, c'est-à-dire le SWAT, qui ont procédé à ton arrestation ou ton nez. Et par la suite, ils t'ont remis à un policier de la ville de Québec. Ce policier-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a amené, il t'a mis, les menottes avaient été mises par le groupe tactique d'intervention. En avant ou en arrière? Je me souviens pas. C'est-tu en avant? Ou les menottes en arrière? Comme ça. OK, en avant comme ça? Je sais pas. Comme ça, je sais pas. OK. Ils m'ont menotté. Bien sûr. C'est la norme. D'accord? Par la suite, tu as été donné, comme je te dis, un policier en uniforme. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a emmené dans un genre de camion de la ville de Québec. Tu te souviens? Et il t'a assis derrière. Un coup rendu dans le véhicule, il t'a lu ce genre de petite carte-là. Avec ce que je viens de te lire tantôt. Il t'a dit que tu étais en état d'arrestation pour meurtre. Tentative de meurtre et pour des actes de terrorisme. Hier, le décompte n'était pas encore terminé. Et c'est un décompte qui peut changer à tout moment, Alexandre. Tu comprends? Le décompte. Le nombre de victimes. OK? Comment ça? Présentement, il y a 6 personnes qui sont décédées, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais hier, au moment que le policier a procédé à ton arrestation, le policier ne savait pas le nombre de victimes, donc il t'a mis en état d'arrestation pour meurtre. Le nombre n'avait pas été spécifié. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, il m'a dit ça, oui. OK, parfait. Il t'a dit également que tu étais en état d'arrestation pour des tentatives de meurtre et un acte de terrorisme. Oui. Cette arrestation-là a eu lieu aux alentours de 21h10, toujours dans le secteur de l'autoroute 40 à la hauteur du pont de l'île d'Orléans. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Après t'avoir lu la carte, il s'est mis en direction de la centrale de police de la ville de Québec. Où t'es arrivé, où t'as été placé en cellule, aux alentours de 21h39. Tu t'es placé en cellule, mais avant, tes vêtements ont été récupérés. Hein? T'as été les menottes t'ont été enlevées. Ils ont récupéré tous tes vêtements et ils t'ont donné... cette chienne blanche-là avec ses chaussures-là. C'est bien ça? Oui, okay. Chienne blanche. Parfait. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tu as passé la nuit en cellule. Ce
ce matin, tu as dormi à l'occasion durant la nuit, selon ce que les policiers m'ont dit, ont écrit dans leur rapport. Difficilement, mais tu sembles avoir dormi ou somnolé. Je pense que c'est ça, on peut dire. Par la suite, aux alentours de 6 heures ce matin, ils t'ont amené 2 rôtis, tu te souviens, et un verre d'eau. J'ai pas mangé des rôtis. Mais ils te les ont amenés? Oui. OK. T'avais pas faim? Non, j'ai pas faim. D'accord. Je mange plus. Pardon? Je dis je mange plus. Par la suite, aux alentours de 6h33, tu as été amené la police de Québec. Tu as été amené par 2 patrouilleurs dans un véhicule de patrouille. Un genre de gros, encore un gros camion de la police. Et tu as été amené ici à la Sûreté du Québec. Ouais. Où, après un certain temps que tu as attendu dans le véhicule, dans le garage, tu as été amené en cellule, où tu as été mis en cellule aux alentours de 7h03, là, je te dirais. Aux alentours de 8h12, je suis allé te voir pour la première fois. Je suis allé te voir ce matin aux alentours de 8h12 pour la première fois. Je t'ai... Je peux pas y croire. Je te comprends. On va essayer de comprendre tous les deux après. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui... à comprendre là-dedans. D'accord? Donc, ce matin, à 8h12, je suis allé te voir et on t'a offert, parce qu'on avait vu dans les rapports que tu n'avais pas appelé d'avocat, on t'a offert l'opportunité d'appeler un avocat. Tu nous as dit que tu voulais parler à un avocat, mais que tu n'en avais pas, tu n'en connaissais pas. Fait ce qu'on a fait, on a sorti des cellules et on a descendu d'un étage. Non, on est resté sur le même étage et on est allé dans un local où, dans ce local-là, j'ai amené un téléphone, tu te souviens? Oui. Avec un carton dans lequel il y avait plein de noms d'avocats. Et également, il y avait le numéro pour l'aide juridique et les numéros que je t'ai dit tout à l'heure. Oui. Et je pense que tu as feuilleté un peu, tu as regardé, mais pas, je te dirais pas grand-chose, pas beaucoup de temps. Et tu m'as dit que tu voulais appeler l'aide juridique. Est-ce que c'est bien ça? Parfait. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est moi-même qui ai composé le 1-800-842-2213. J'ai parlé à une dame, Maître Alexandra. Est-ce que tu te souviens de son nom de famille? Ça finit par ski, là. Ça a un nom particulier, là. Tu te souviens? Non. OK. Maître Alexandra quelque chose, là. Ce que j'ai fait, c'est moi qui lui ai parlé en premier. Mais cependant, avant d'appeler l'avocate, j'ai oublié. Tu te souviens que ce matin... Lorsqu'on est arrivé dans le local, je me suis assuré que tu savais pourquoi tu étais ici. Tu te souviens? Oui, oui, oui. Dans le local en haut, je t'ai dit verbalement que tu étais en état d'arrestation pour 6 meurtres, 8 tentatives de meurtre, puis des actes de terrorisme. Puis je t'ai avisé également de ton droit au silence. Et c'est par la suite que j'ai appelé l'avocat. C'est bien ça?
OK. Donc, j'ai eu une conversation de peut-être une ou deux minutes avec Maître, en ta présence, Maître Alexandra, on va l'appeler comme ça, et dans lequel la conversation était assez simple, c'est-à-dire que elle me demandait mon nom, ton nom, numéro de dossier, puis elle me demandait un peu un résumé de tes accusations pour lesquelles tu avais été arrêté. On a fait un échange de téléphone. Ce que Maître Alexandra m'a dit, c'est que, étant donné qu'il était de l'aide juridique, et vu l'importance du dossier, elle voulait te parler en premier, avoir une conversation préliminaire avec toi, mais elle demandait que ton droit à l'avocat ne soit pas terminé, plutôt suspendu, pour qu'elle puisse communiquer avec ses patrons. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a échangé des numéros de téléphone pour qu'elle nous rappelle. Et par la suite, ce qu'on a fait, on t'a laissé avec dans le bureau toute seule. On a fermé la porte. Et tu as eu une conversation. La première fois, tu as eu une conversation de 11 minutes avec Maître Alexandra. Tu étais seule dans le local, tu te souviens? La première fois que tu lui as parlé. Un coup que c'était terminé, t'as cogné à la porte pour nous avertir que c'était terminé. On est entré. Et qu'est-ce qui était convenu avec Maître Alexandra, c'est que ça allait pas être tellement long. Donc, il était décidé qu'on allait te laisser dans la petite salle de rencontre qu'on avait. Et non de te ramener en cellule, puis d'être obligé de te ramener lorsque l'avocat allait appeler. Je t'ai offert à déjeuner, tu m'as dit que t'avais pas faim. Je t'ai offert si tu voulais un café, si tu voulais quelque chose à boire. Tu m'as demandé si tu pouvais avoir quelque chose avec du sucre. Je t'ai demandé si tu étais diabétique. Tu m'as juste dit non, je me sens faible un peu, ça me ferait du bien d'avoir du sucre. Tu te souviens? Je t'ai offert du jus d'orange, du jus de pomme, puis tu m'as dit que un ou l'autre, ça te convenait. Par la suite, on t'a laissé toute seule dans le local, avec la porte entrouverte. Je suis allé te chercher un jus de pomme que je t'ai amené. Je te dirais que peut-être 10 ou 15 minutes plus tard, Maître Alexandra a rappelé. J'ai pris l'appel et je te l'ai passé. Mes parents et mon frère sont-ils corrects? Bien sûr. J'ai de la misère à vous croire, parce que j'ai rêvé qu'ils se faisaient attaquer. Ben, tu peux me croire. Cette nuit, là. Alex. J'ai comme de la misère à me le mettre dans ma tête. Alex. C'est pas arrivé. Alex, regarde-moi. Je te donne la parole que tes parents sont... Ils ont encore en vie. Bien sûr. Puis ton frère jumeau est en vie aussi. D'accord? Alex, regarde-moi. Je te donne ma parole qu'il n'y a rien arrivé à tes parents. D'accord? OK. Fais-moi confiance. Par la suite, après tu as parlé 8 minutes lors de ton deuxième appel avec l'avocat, et un coup que la communication était terminée, on t'a ramené en cellule. Tu avais bu ton jus, tu es parti avec ta bouteille dans ta cellule, elle y est toujours, il n'y a aucun problème. D'accord? Ils m'ont dit de l'amener dans ma cellule. Bien sûr. C'est pour ça que je l'ai ramassé. Il n'y a aucun problème. Ça. D'accord. Je vois pas pourquoi. Je vais te le dire pourquoi. C'est là qu'ils m'ont dit. Pour l'ADN. D'accord. L'ADN. Tu t'es resté en cellule. On t'a ramené en cellule. On était allé te chercher à 8h12. On t'a ramené à 8h57. Par la suite,
Après, je peux pas dire combien de temps, on est venu te chercher, moi puis mon collègue, pour t'amener directement dans la salle vidéo. Je t'ai expliqué, ben, tout était enregistré, aller jusque-là. Alex? Oui? Tu m'as demandé d'aller à la salle de bain. On est parti, on est allé à la salle de bain. T'as pas rencontré aucun policier. D'accord? Oui. T'as uriné. T'étais seul dans la salle de bain. Pas d'autres policiers. Puis moi et mon collègue, on était à la porte. Oui. On était avec toi dans la salle de bain. Par la suite, on est revenu ici. Puis, depuis ce temps-là, t'es dans cette salle-là où c'est enregistré audio, vidéo. Moi, je suis pas. Ouais. Tout le temps. Pas tout le temps comme ça d'habitude. T'es tout le temps comme ça? Oui. OK. Est-ce que c'est un bon résumé de ce que j'ai fait? Du meilleur de ta mémoire. Est-ce que c'est un bon résumé que j'ai fait? Est-ce qu'il manque quelque chose ou est-ce qu'il est arrivé quelque chose qui serait important que tu nous dises? Ben, je trouve que c'est précis à partir de quand j'étais en cellule puis tout, puis d'une place à l'autre, okay. Tout ça. OK. Tu te souviens d'avoir parlé au répartiteur, comme tu me dis tantôt? Ouais. OK. Depuis que t'as été... C'est comme un flash. OK. Quand vous êtes allé me dire que... Pardon? Vous m'avez dit qu'il y avait 6 meurtres, vous avez dit. Je ne suis pas ici de te compter de la bullshit. D'accord? Je ne suis pas ici pour te compter des menteries. C'est trop important pour un gars comme toi pour que je te compte des menteries. Tu comprends? Oui. D'accord. Est-ce que, depuis que tu es en contact avec les policiers, Alex, est-ce qu'il y a des policiers qui t'ont fait des promesses, des menaces, qui t'ont violenté? Non. Non? Non. Parfait. Les policiers qui ont procédé à ton arrestation, ça a été fait de façon respectueuse? Vous avez été gentil avec moi. Tous les policiers? Puis ceux d'hier soir? Ça doit, je sais pas. OK. Donc... En aucun moment, les policiers ont fait de la violence avec toi et qui t'ont menacé ou des promesses. C'est bien ça? Puis il faut que tu t'attendes, Alexandre. Alexandre, regarde-moi. Je vais vous parler de ce qui s'est passé hier soir. D'accord. Je sais que vous êtes là pour ça, mais je ne veux pas en parler. D'accord. Vous avez été très gentil avec moi aujourd'hui, puis pendant la nuit hier aussi. D'accord. Même que... très gentil. C'est la façon. Ouais. C'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, dans le respect. Moi, si je te respecte pas, comment veux-tu que tu me respectes, Alexandre? Hein? Ouais. C'est impossible. Le respect, c'est pas one way. Hein? Mais pourquoi tu me parles ou tu as des doutes sur ce qui a pu arriver à tes parents? À cause de ton rêve cette nuit? Ton cauchemar cette nuit? Oui. D'accord. Il était comme réel, tu sais. D'accord. Tu sais. Et je me suis réveillé comme ça. D'accord. Tu me disais tantôt que ton père, c'est un avocat. Oui. C'est un avocat qui. Criminaliste ou c'est un civiliste ou... Non, non. C'est
Il a été ambulancier. Ton père? Oui. OK. Puis après ça, il a été enquêteur pour la commission de protection du territoire agricole. Comme enquêteur. Puis. C'est une bonne personne. Oui. Il a quel âge ton père? Il a 60. 60 ans? Oui, d'accord. Et toi, tu as 27? Oui. Okay. Est-ce qu'il est encore. J'imagine il est encore avec ta mère? Oui. Est-ce que ta mère travaille? Oui, elle travaille, oui. Elle travaille dans quel domaine? Elle travaille à Hydro-Québec. Dans les bureaux. C'est ça. D'accord. Comme ici. Puis, à quel âge ta mère? Ma mère, elle a 58, je pense. D'accord. Est-ce que tu t'entends bien avec tes parents? Oui. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des conflits avec tes parents? Comme tous les ados ou les jeunes adultes ou. Non. Même pas? Non. Pas de conflit avec mes parents. D'accord. C'est quoi que tes parents, là? Si la plus belle qualité qu'ils t'ont inculquée à tes parents, c'est quoi? Ça va faire bizarre à dire, mais moi j'ai toujours pensé que c'était que je pense j'ai toujours pensé que c'était l'amour. Ok. Ben t'avais quand même un bel exemple à la maison. Tes parents sont mariés depuis plusieurs années. Okay. Ta mère s'appelle comment? Ben non. Puis ton père? Raymond. Raymond. Okay. Je vais plus en parler. Là. Comme ça. Ok. C'est trop dur. Est-ce que tu t'entends bien avec ton jumeau? Ah. Oui, c'est la dépend des jours. Comment il s'appelle ton jumeau? Mathieu. Pourquoi que des fois ça marche pas? Ben. C'est comme Mathieu. Deux frères. Tu le considères-tu comme un bon ami, un bon chum, ben Mathieu? Oui. Ben oui. Si je demandais à Mathieu de me dire c'est quoi la plus belle qualité, ta plus belle qualité, ça serait quoi d'après toi qu'il dirait? Je sais pas. Ça? Non. Puis le pire défaut, ton pire défaut, ça serait quoi? C'est que. Je peux être stressant des fois. De par des agissements? Ouais. Ta façon d'être? Ok. Pourquoi? C'est comme ça que je suis. Ok.
Parce que ton frère, lui, est plus calme ou... Non, pas tant que ça. Lui aussi a ses propres problèmes. D'accord. C'est... Je vais parler de ça. Mais tu comprends que j'essaye de comprendre. Oui. Moi, je te connais pas, moi, Alexandre. OK? Mais la meilleure façon de te connaître, de comprendre, OK? C'est de te parler. Parce que si je te connais pas, comment veux-tu que je comprenne des choses? Comment tu veux que j'essaie de comprendre si je te connais pas? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que je pourrais me fier aux autres, mais la meilleure personne pour me parler de toi, mais c'est toi. Ouais. Pourquoi tu me dis que ton frère, il a des problèmes comme toi, t'en as? Quel problème que toi, tu as? Ben moi, j'ai toujours eu de l'anxiété dans ma vie. OK. Puis, la dépression aussi. Est-ce que tu as fait des dépressions? D'accord. Est-ce qu'il y a des événements qui ont déclenché ça? Hein? Est-ce qu'il y a des événements particuliers ou précis, tu crois, qui ont déclenché ça? Je sais pas. As-tu déjà eu une blonde? Non. Jamais? As-tu déjà eu un chat? Non. OK. C'est pas... Je te pose la question. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie qui aurait pu déclencher de la mortalité, quelque chose? Je sais pas. D'accord. Mais, suite à ça, qu'est-ce que tu as fait pour t'aider là-dedans? Est-ce que tu as consulté? Ouais. Oui, j'ai consulté il n'y a pas longtemps. OK. Avec mon médecin de famille. D'accord. Ton médecin de famille s'appelle comment? C'est docteur Nolin. Nolin? Nolin. Nolin. OK. Oui, oui. Lui, il est à quel endroit? Il est arrivé du Campanile. OK, le camp. OK. C'est lui qui t'a référé à un spécialiste ou... Ben, et puis, il me prescrit des choses pour m'aider avec mon anxiété. Est-ce que ça fonctionne? Pas tant que ça. Qu'est-ce qui t'a... Tu te souviens-tu qu'est-ce qui t'avait prescrit? Oui, oui, il me prescrit un antidépresseur. Est-ce que tu sais le nom? Oui, c'est du Luvox. Luvox? Oui. Est-ce que tu le prends... selon ce qui est écrit, puis selon ce qui était prescrit? Ben, ils me l'ont changé il y a peut-être 3 semaines, parce que je suis retourné à la clinique, je trouvais que ça marchait pas. Qu'est-ce que tu voyais qui marchait pas? Ben, j'étais pas si mieux que ça. T'sais. Tu te sentais pas mieux? Non. Non. Okay. J'étais allé à la clinique Saint-Louis. OK. Où est-ce que tu avais vu la personne qui t'avait... Non, c'est un autre. OK. Parce que lui, mon docteur, il est juste là certains jours. Fait que tu t'es présenté là sans rendez-vous? Oui, parce que je ne pouvais plus, tu sais, continuer, tu sais, avec okay. ça. Ou à ma job, mes études, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus. Je suis allé là, puis ils m'ont changé le Luvox pour quelque chose qui était mieux pour l'anxiété. D'accord. Qui s'appelle? C'est du Paxil. Paxil, est-ce que tu as vu une différence ou... Oui, 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 ça. Oui. J'étais supposé le prendre justement aujourd'hui. Aujourd'hui, pour toi, il est quelle journée? Hein? Aujourd'hui, on est quelle journée selon toi?
mange. Mettons là, que je veux pas que tu me parles des événements, là. Mais selon toi, les événements, là, c'était quelle journée? Lundi. Là, on est lundi? Oui. C'est ça. OK. Est-ce que. Y a-tu quelque chose de ça que tu te souviens que c'est lundi ou. Fallait que je prenne ma pilule. D'accord. Donc, tu l'as pris hier? Oui. Comme donc, dimanche, tu as pris ta pilule normalement? C'est une par jour? Mm-hmm. Le matin? Oui. Je l'ai pris à le midi, là, par exemple. Voilà. Midi, midi. Oui, la midi. D'accord. OK. Donc, ce médicament-là te fait quand même un peu de bien, beaucoup de bien. Ça te calme ou qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est bizarre à dire, là, mais c'est comme si, tu sais, ça, tu sais, toutes les émotions, tu sais, deviennent comme un peu plus bas, comme égal, tu sais. J'ai comme pas d'émotion pour, tu sais, pour rien, comme je pense. Pas de haut, pas de bas, toujours neutre, c'est ça? C'est ça, oui, puis. Et c'était-tu comme ça que le médecin t'avait dit que ça allait faire ou. Ben moi, il m'a dit que ça m'aiderait avec mon stress. Fait qu'il m'a dit. OK. Ça m'aiderait avec mon stress. OK. D'accord. Puis, ma dépression. Et tout ça. OK. Toi, t'es étudiant à l'Université Laval? Ben je suis. Pourquoi? Ben, j'ai comme arrêté ça. J'ai plus étudié. T'as abandonné tes cours? Moi, j'étais plus capable. Okay. Ça fait combien de temps que t'as arrêté? Ça fait depuis. Ça doit faire des mois que je me force plus, tu sais, puis que je suis plus capable, tu sais. Des mois. Ok. T'sais, donc, la session, mettons, d'automne. Est-ce que tu es allé à l'université? Oui, mais tu sais, j'avais des cours en ligne, puis j'ai juste fait les examens finaux. Puis j'ai passé, mais tu sais, ça a fait. Je m'en fous, tu sais. OK. Tu te foutais de ça. Oui. Là, tu étudies en. J'étais en sciences politiques. C'est-tu quelque chose qui t'intéressait ou. Non. Y a-t-il une raison pour laquelle tu avais pris cette branche-là ou. Oui, parce que mon frère était là-dedans. Est-ce que c'était pour faire plaisir à quelqu'un? Non. Mais c'est une matière qui t'intéressait pas. Ben. C'est pas tout à fait ça, tu sais, mais. Je ne me verrais pas travailler là-dedans, c'est plus comme quelque chose, t'sais, que faire à l'université, un bac, tu sais. Arriver avec un diplôme quelconque. Dire que t'as un bac, tu sais. D'accord. Est-ce que ton frère, lui, aime ça? Oui, il aime ça. Est-ce que tu étais dans ses cours avec lui? Au début, oui. Oui, j'ai été dans quelques cours avec lui, c'est le fun. Ce qui était. Ça a dû arriver quand même assez souvent que vous étiez dans la même classe, dans différents niveaux, là, c'est-à-dire primaire, secondaire ou même au cégep? Non. Non. Juste à l'université. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir abandonné tes études? Ça me fait rien. Est-ce que tu te plaisais à l'université? Mettons, oublie les cours. Est-ce que la vie à l'université t'intéressait? Non. Pourquoi? Parce que.
Pourquoi que la vie à l'université, il me semble que c'est... ça doit être trilingue en vie. Ça t'intéresse pas ou... Non. Y a-t-il une raison? Parce que ça m'intéresse pas l'université. Donc, si je te comprends bien, si tu es allé à l'université, faut penser peut-être si c'était pour faire plaisir à quelqu'un ou pour... Ben, que... peut-être à mes parents. Peut-être, oui. Peut-être que ça lui faisait aimer ça, voir à l'université. C'est peut-être ça. Est-ce que toi, tu... Puis là, je te le dis, là, je suis pas ici pour te juger, mais est-ce que tu te penses inférieur à ton frère ou... Non. OK. Inférieur? Non, ce que je veux dire, tu sais, lui, il aime ça, l'université. Toi, tu te forces pour essayer de faire plaisir à tes parents. Non, est-ce ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Avec mon frère, l'université. OK. Toi, ton meilleur ami, il s'appelle comment? Mon meilleur ami. Jeff. C'est-tu Jean-François, ça, Jeff? Ou Jean-François? Doherty. Doherty. Est-ce que c'est quelqu'un de l'université ou bien c'est un ami du secteur? Oui, je le connais depuis mon secondaire. OK. Puis c'est ton meilleur ami ou un bon ami à toi, pourquoi? Mon meilleur ami. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'entend bien, mais on écoute des films ensemble et tout ça, tu sais, puis je l'invite, puis lui m'invite, puis okay. Juste ça, tu sais, pas plus que ça. D'accord. Il est dans tes anges? Oui. Est-ce qu'il est en sciences politiques aussi? Non, il est en biologie. D'accord. Donc, vous connectez, là? Oui, oui. D'accord. Vous connectez sur plusieurs points, vous? Est-ce que... Je sais pas, vous écoutez des films, est-ce que c'est un gars qui est le fun à jaser? Est-ce que c'est un gars qui, je sais pas, des films là. Hein? Des films là. OK. Quel genre de film que t'aimes, toi? Ah, toutes sortes de films. Nouveautés, tu sais, puis tout ça. Des nouveautés. D'accord. C'est-tu des films d'action que t'aimes? Ou des films un peu plus psychologiques ou... Ben, j'aime les films d'action, j'aime les films d'horreur aussi. Psychologique. Ok. Oui, oui, c'est intéressant. C'est quoi le meilleur film que tu as vu? Mon meilleur film, ça serait... J'y pense. Là. Désolé, là, j'ai comme un... Ouais, ben c'est difficile de faire. Si t'en vois beaucoup... Non, mais j'ai comme un vide dans la tête. Si t'en vois beaucoup, c'est peut-être difficile de faire le choix. Meilleur film. Difficile à dire. Hein? Ok. T'es-tu quelqu'un qui joue, qui fait des jeux électroniques ou autre? Oui, oui. C'est dans ta génération quand même? Oui, oui, oui. Crime, oui. Ça a l'air vrai, là. Ça a l'air vraiment. T'as de l'air aimer ça? Quelle sorte de. T'es-tu un gars de sport ou. J'aime ça sortir dans la nature, tu sais, pour le camping, puis d'accord. Tout ça. OK. J'aime ça, être tout seul, tu sais, en camping, tu sais, puis aller à la pêche. Camping sauvage? Aller à la chasse aussi. Camping sauvage? Camping, le petit temps, oui, puis... Oui, oui. Okay. Aller à la chasse aussi, j'aime ça. OK.
La chasse, n'importe laquelle. Ben, c'est plus petit gibier. D'accord. Que j'aime. Puis est-ce que tu as déjà été à la chasse l'orignal ou je sais pas? Non, pas ça. Ça. Pourquoi? T'as pas ça? Je peux pas. Je vois pas ce que je suis comme. Je suis pas équipé pour ça. Puis j'ai pas le temps. Puis, ça demande beaucoup d'ouvrage. Pas vraiment, tu sais, j'aime mieux les. Tu sais, je trouve que c'est mieux les perdrix, tu sais, que les orignaux, tu sais, ou les grosses affaires de même. Tu sais, je trouve que c'est plus gros, tu sais. Est-ce que tu. Quand tu vas à la chasse, est-ce que tu y vas tout seul? Rarement. Il y a quand même un certain danger aussi. Tu sais, tu te blesses ou quelque chose. Oui, je suis déjà allé tout seul, oui. D'accord. Je me suis perdu, à un moment donné, bon. Tout seul. Dans le bois. C'est facile, j'espère. Ben, c'est facile. Tu te mets à tourner un peu, là, puis tu perds tes points, puis de référence, puis tu te ramasses que finalement. Oui, j'étais rentré, puis il y avait puis j'ai tourné, tu sais, comme une clairière. Puis je savais pas par où j'étais rentré dans la clairière. C'est que j'étais comme perdu dans le bois. Désorienté. Là. Mais je me suis dit, je vais essayer d'aller dans cette direction-là. C'est, puis ce qui arrive, il arrivera. Tu t'es perdu. Puis je me suis retrouvé finalement. OK. C'est toi-même qui s'est retrouvé tout seul? Oui. J'ai marché, puis j'étais arrivé à un chemin là, forestier. Puis plus loin, c'était mon auto que j'avais stationné là. Mon logis. Finalement, tu étais chanceux. Oui, j'étais chanceux. Alors, ça aurait pu être plus. Pas catastrophique, là, mais ça aurait pu te demander 2-3 jours ou même. Est-ce que tu avais été longtemps dans le bois? Ou relativement pas trop long? Est-ce que ça t'avait demandé. Est-ce que tu me dis que tu te perds? Est-ce que tu t'étais vraiment perdu non, puis pendant trop. Plusieurs heures? C'était ou? Pas trop long. OK. Est-ce que ton père, c'est un chasseur? Non. Ton frère? Mon frère? Non. Hein? Où t'as pris ça? Ben, c'est mes amis qui sont de la chasse. OK, qui t'ont initié à ouais, ça. Ouais, c'est ça. Mon ami Jeff, puis mes amis là. OK. Avec qui tu vas à la chasse? Je vais avec Jeff. Ça fait longtemps que je peux aller avec lui, par exemple, peut-être un an. OK. Puis d'autres membres là, que je connais. Là. D'accord. Je veux pas vraiment les impliquer. Non. Dedans. Non, juste. C'est juste, ça me donne le. C'est ça donne un nom à une personne. Je comprends que c'est juste ça. Ouais. C'est quand on. Mettons que si je veux revenir tantôt en disant. Ça va être plus facile en disant à Jeff qu'on va se retrouver, on va. Ça va être plus facile d'avoir une conversation. Tu comprends? C'est juste pour ça. Puis. Ça fait des mois que je flippe. OK. Des mois et des mois. Puis je sais plus quoi faire. Est-ce que tu as demandé de l'aide? À part là, ton médecin ou autre, là? Non. Est-ce que tu en as parlé à tes parents? Non. Pourquoi? Parce que. Ils ont déjà assez de problèmes comme ça avec leurs affaires, sans avoir moi. Mais t'es deux enfants, deux fils. Oui, je sais bien, mais j'ai 27 ans. J'ai plus 16 ans. Non. Quand j'avais 16 ans, je leur ai demandé de l'aide. Quand j'avais vu ça. OK? Oui. Puis c'est ça que j'avais fait à 16 ans. Puis j'ai été exempté de ma session secondaire pour ça. OK. Puis j'avais commencé à prendre des pilules, t'sais. Mais mes parents, ils sont pas pilules beaucoup, tu sais, fait que j'ai arrêté à m'emmener des parents, puis c'est ça, c'est moi qui deal avec mes problèmes moi-même, tu sais. J'ai toujours dealé avec mes problèmes, t'sais. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que je deal avec mes pensées, mes problèmes puis mes affaires moi-même, OK? Depuis que j'ai 14 ans que j'ai ça. Ça vient lourd. Je sais
sais pas. Venu comme ça, un été. Est-ce que t'as peur que tes parents te jugent? Oui. C'est sûr. C'est-tu parce que tu me dis qu'à 16 ans, mais suite à ça, est-ce qu'ils t'ont jugé ou... ou par des comportements, tu sentais que... Non, ils m'ont pas jugé. C'est moi qui garde ce mort. C'est toi qui es dur avec toi-même? Oui. Ok. J'aurais dû me suicider à 16 ans. Ça serait fini. Depuis longtemps. Tu l'as dit ça, toi? Depuis 2000. Puis qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait? J'imagine que c'est l'instinct de vouloir être heureux, c'est l'instinct de survie aussi. Est-ce que tu as fait des gestes où ça a seulement resté dans ta tête avec des plans où tu as essayé de passer à l'acte? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, je voulais dire, mais... me parle, tu sais. Et suite à ça, suite à la décision que tu as prise de ne pas le faire, comment tu t'es senti avec cette décision-là? Sur le coup, ça m'a comme libéré. Avec les jours, tu sais, qui passent et tout ça, ça revient de le temps. Est-ce que tes parents savent que t'as tenté? Non, j'ai jamais dit ça à personne. Même à ton meilleur chat? Même à lui. Pourquoi? Parce que... c'est sûr que je ne dirais pas ça à personne. Ok, là, je suis tout écrit de parler de ça. Tantôt, tu me parlais de ton... que tu aimais jouer au PlayStation, aux jeux vidéo. Oui, oui, j'aime ça. Oui. C'est quoi les jeux vidéo que tu aimes? Ben, je jouais des jeux en ligne. Ok. Oui. Des missions ou. Missions. Ben, je sais pas, des jeux de guerre ou. Ben, je joue à World of Warcraft. C'est quoi? C'est un jeu en ligne. D'accord. Mais le but du jeu, c'est. Ah, oh, c'est en ligne, là, puis tu joues avec plein d'autres joueurs, tu sais, puis... Mais le jeu, en tant que tel, là, c'est-tu un jeu de mission secrète? C'est-tu un jeu de... j'imagine, avec le titre, c'est pas un jeu de hockey, là? Ben, c'est comme un jeu de fantasy, là. OK. Médiéval, tout ça. Avec une partie de magie, ou... Oui, oui, oui. OK. Un peu fantastique, là. Ben oui. OK. Fait que tu devais être le genre à écouter du Harry Potter ou quelque chose? Harry Potter? Non? Non, pas tant que ça. D'accord. Est-ce que c'est un jeu que tu joues beaucoup? Oui, oui. Ben, ouais, des fois, là j'avais arrêté, j'ai comme recommencé, puis back and forth, là, comme on sait. Ça fait longtemps que je jouais ça. Là. Pourquoi t'avais arrêté? Parce que... mes parents, ils trouvaient que
sais, je jouais trop à ça, tu sais. C'est pour ça. Étais-tu d'accord avec ça? Au début, oui. Tu comprenais le façon de penser? Oui, au début, oui. D'accord. Est-ce que c'est un jeu qui te stressait ou c'est ce que tes parents disaient? Oui, c'est ça qu'on disait, oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. C'est sûr que c'est... Si je joue à ça depuis 2005, c'est... On and off, là. OK. C'est sûr que... Mais tu sais, je peux pas commencer à... Tu sais, dire que c'est... De parler de jeux vidéo et tout ça, là, tu sais. Quand est-ce que t'as arrêté, tu me dis? Oui. Tu te souviens du quand? Ça fait-tu longtemps? Oui, ça fait longtemps. OK. Puis t'as recommencé quand? Ça fait-tu longtemps aussi? Ça fait peut-être l'année passée. D'accord. Est-ce que t'as vu... Tu sais, quand tu compares du moment que t'as arrêté, la période que t'as arrêté, puis depuis que t'as recommencé, est-ce que tu trouves que ça a amené dans ta façon d'être, ou est-ce que tes problèmes d'anxiété ont fait... Non, il était là avant, puis il était là. Il est là depuis... Il est là depuis longtemps. Là. D'accord. Ça n'a pas rien changé. En tout cas, pas à ma connaissance. D'accord. Ça n'a pas empiré ou ça n'a pas... Non. Ni moins, ni pire. Tantôt, j'écoutais la conversation que tu as eue avec le monsieur du répartiteur. Ouais. Tu te souviens, tu as dit que tu étais un joueur d'échecs? Ouais, c'est vrai. OK. Qu'est-ce que tu aimes, les échecs? La stratégie. Tu disais que tu avais fait des compétitions? Oui, j'ai fait des tournois. Avec un certain succès, ou? Oui, quand même. Mais c'est sûr qu'il y aurait fallu que je me donne plus, tu sais, pour être meilleur. T'sais. Meilleur. Mais... C'est quand même quelque chose qui se développe. C'est ça, oui. Okay. Puis, ça te tentait pas de mettre les efforts, ou tu t'es tanné de jouer? J'étais ou... comme pas assez... J'avais comme pas assez d'énergie pour ça. Hein. D'accord. Et tu jouais dans une... Y a-tu une ligue ou... Tu sais, à un moment donné, si tu veux jouer avec des jeunes de ton calibre, est-ce que... Tu faisais quoi pour... Je jouais avec des amis, puis... un club d'échecs aussi. OK. À Québec? Oui, à Québec. OK. Puis depuis combien de temps que tu joues plus, là? Ben, je joue encore, mais c'est pas en compétition. Plus sportif. C'est ça. Est-ce que le goût pour la compétition pourrait te revenir? Non. Qu'est-ce que t'aimais pas de la compétition? C'est stressant. Je te convainc. C'est sûr, certain. Est-ce que t'étais quelqu'un qui écoutait des matchs d'échecs à la télé, là, entre les grands joueurs. Oui, j'ai déjà fait ça sur YouTube, oui. Entre le russe, là, puis l'ordinateur, ouais, là. Oui, c'est intéressant, oui. Est-ce que tu étais capable de commencer une partie, puis de t'offrir jusqu'à la fin? Ben, pas... T'étais-tu assez mordu pour ça? Ben, les longues, j'ai de la misère à me concentrer. Quand c'est vraiment long, là, c'est plus, tu sais, des blitz okay. que moi, je fais, là. C'est-à-dire avec un temps très très limité entre chaque coup? Oui, parce que les longues, je suis capable, mais tu sais, c'est... Tu sais, à un moment donné, j'ai mes cœurs, là, puis... Tu sais, je suis capable. Tu perds la concentration? Oui, beaucoup. OK. Toi, si je te demandais la journée ou la chose que tu es le plus fier dans ta vie, c'est quoi? Quand j'ai eu mon emploi à Alma Québec,
C'est ça que je suis plus fiable. D'accord. Et est-ce que c'est un emploi que tu as eu par toi-même, avec en faisant des applications par toi-même, en passant des entrevues? C'est ça. J'ai fait l'entrevue, puis je l'ai eu après, en 2014. Et c'est ça que c'était ça, mon... je suis plus fiable. Parce que j'ai très stress, l'entrevue, tu sais. Est-ce que... Ils m'ont pris. Est-ce que suite à l'entrevue, tu disais dans ta tête que tu l'avais eu? Non. Est-ce que tu disais le contraire? Ben, je me disais, oui. Que, tu sais, je suis allé juste pour y aller, tu sais, puis... C'est ça. Pour avoir un emploi? Tu es allé là pour avoir un emploi. Oui, puis tu sais, je me dis, ils me prendront pas, tu sais, mais au moins, je t'allais, tu sais, au moins, j'ai pu y aller. T'sais. Tu t'es donné, tu as passé une entrevue. C'est ça. Okay. Est-ce que tu travailles encore là? Oui, ben. Non, tu sais. Pourquoi tu me dis non? Ben, parce que je suis ici. D'accord. Ça fait combien de temps que tu travailles? Tu m'as dit 2 ans? 2 ans, oui. OK. Et ton travail consiste à quoi? C'est moi qui trouve les donneurs pour les dons de plaquettes. Donc, t'appelles? Oui, c'est ça. T'as une liste? Oh, oui. Puis les dons de plaquettes, de plasma, tu sais, puis pour les hôpitaux, tu sais, puis ça. De sang aussi. OK. Donc, ça t'amène à travailler 5 jours semaine? Oui, je travaillais beaucoup. Oui. C'était-tu un travail qu'à t'aimer? Ben là, j'étais plus capable. Là. Récemment, là, j'étais plus capable. Je savais plus quoi faire. Là. J'étais plus capable. T'étais plus capable de relever ce défi-là? De rentrer. OK. Donc, t'es en arrêt de travail pour maladie? Oui, c'est ça. Ça fait-tu longtemps? 3 semaines. D'accord. Ton retour au travail était prévu quand? Aujourd'hui. OK. Puis tu te sentais-tu d'attaque pour recommencer? Non. Est-ce que t'avais avisé de ça ou? Non. Tu gardais ça pour toi? Ouais. Pourquoi tu te sentais pas d'attaque pour recommencer? Ben parce que je veux mourir. C'est pour ça. D'accord. De ne plus rien rentrer là, tu sais. C'est fini pour moi. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce que les événements d'hier qui se sont passés, est-ce que ça a un rapport au fait que tu voulais plus rentrer chez Emma Québec? En sachant que... Je sais pas. Chez Emma Québec... Je veux pas parler des événements d'hier. Est-ce que chez Emma Québec, tu avais des amis? Est-ce que c'était un milieu de travail qui te convenait? Est-ce que c'était où est-ce que tu as pu développer des amis? Des amis. Des amis. Des connaissances. OK. Est-ce que tu as eu des problèmes personnels là, avec des employés ou des collègues de travail? Oui. De quel ordre? Ben, je me suis fait blaster par le boss, là. OK. Pour quelle raison? Je pense pas que ça n'a pas rapport, tu sais. Pour quelle raison? Ah, oh, parce que j'avais demandé un congé pour un examen à l'université. Puis qu'il pouvait pas me le faire. OK. Malgré qu'il devait savoir que tu étais aux études, là. Oui, oui, oui. Hein? Mais ça n'a pas rapport. Tout le monde, ça arrive de se faire blesser.
Oui, mais des fois, se faire blaster quand c'est. On peut penser que c'est injustifié ou de l'injustice, on s'entend que dans ta vie, tu avais deux choses importantes dans ta vie, mettons. T'as ton travail, puis un examen à l'université. C'est quand même assez important aussi. Oui. Puis, donc, tu as eu un problème avec ton patron, là? Ben oui, mais tout le monde a des problèmes avec leur patron. Ouais. Est-ce que tu en as eu d'autres avec d'autres employés? Je sais pas. Pourquoi tu te lèves pas? Parce que je suis fatigué. C'est sûr. On est tous fatigués, Alex. Tu comprends? Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens chez Emma Québec qui étaient méchants avec toi ou? Je veux pas en parler de ma job, puis je trouve ça pas rapport. Ok. Mais peux-tu me répondre au moins s'il y en a qui étaient méchants avec toi? Méchants avec moi? Ouais. Mais ça n'a pas rapport. Ok. Ça n'a pas rapport. D'accord. Est-ce je que... Je peux en parler, là. Je... Est-ce que dans ta... exercer mon droit aussi, là. Bien sûr. Bien sûr. Je te l'ai dit depuis le début. Ça allait être ta décision. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été méchants autour de toi, avec toi? Ont été méchants avec moi. Je veux pas en parler. Ok, pourquoi? Enfin, je veux pas en parler. Ça me tente pas d'en parler. Parce que ça te fait mal? Non, je veux juste garder mon droit au silence. Bien sûr. Mais tu peux au moins me je dire. Trouve ça pas rapport. Ben, ça peut avoir rapport, Alex. Tu sais, dans la vie, là, Alex, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui peuvent expliquer des comportements. Tu comprends ça? Oui. Hein? Oui. Le gars que j'ai en face de moi, là, c'est sûr et certain que si je l'avais vu hier matin, mettons, je te croise là, dans la rue, je te croise dans un restaurant, jamais j'aurais pu penser que 24 heures après, j'allais être avec lui dans une salle d'interrogatoire. Tu comprends? Ah ouais. Jamais. Non? Non. Comment ça? Parce que tu m'as de l'air d'un gars qui vite de même. Tu sais, je sais que tantôt je te voyais, tu sais, tu sembles avoir un peu d'avoir de l'anxiété ou quelque chose, mais de dire que 24 heures après, mettons, si je t'avais vu hier matin, comparativement matin, avec les événements qui se sont passés entre les deux, il n'y a rien qui peut me faire comprendre ça, non. à moins d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ou dans ta vie, Alexandre, pour expliquer ça? Tu comprends? Et c'est pour ça que je prends le temps d'essayer de comprendre des choses. Parce que c'est super important, pas pour moi, Alexandre, de comprendre ça. Ça n'a aucune importance pour moi. Tu comprends-tu? Et pour la société? Non. Non. Essayer de comprendre quelque chose. Parce que tu comprends, tu vas être d'accord avec moi. On ne peut plus. Malheureusement, je suis convaincu d'une chose. Que si tu pouvais, Alexandre, si tu avais le pouvoir de reculer le film de ta vie, là, tu reculerais ça à hier.
à 18h quand t'es parti de chez toi, de chez tes parents. J'en suis convaincu, je mettrais mes deux mains dans le feu, puis je me brûlerais le même. D'accord? Est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Bien sûr. Ok. Veux-tu quelque chose? Juste pour aller aux toilettes. Juste. Tu as-tu faim? Non. J'ai pas faim. Tu vas me le dire si tu as faim? Oui. Tu vas me le dire si tu as besoin de quelque chose? Oui. Ok. Viens avec moi. Policiers que moi et mon collègue? Non. Est-ce qu'on t'a fait des promesses ou des menaces ou non, on t'a posé des questions? Non. Parfait. Tu me donnes une minute, ça va être à mon tour dans la salle de bain. OK. D'accord? Je reviens. Mm-hmm.
Alex, le pourquoi que je te pose des questions. Hein? Parce que la personne que t'es là, tu es d'accord avec moi, la personne que je vois en face de moi, là, elle a été forgée là, avec plein d'événements, plein de rencontres, plein de choses qui t'ont marqué, qui ont forgé ta personnalité. Et c'est pour ça que je te pose des questions. Tu comprends? J'aimerais ça qu'on vienne. Qu'est-ce qu'il y a? Voulais-tu me dire de quoi? Je suis pas un monstre. C'est sûr. Sais-tu pourquoi que je sais que t'es pas un monstre? Je vais te le dire. Dis-moi pourquoi tu me dis ça. Parce que je suis pas un monstre. Je sais que t'es pas un monstre. Sais-tu pourquoi? Je m'aime pas le sortir. Prends ton temps. Prends les mots que t'as besoin de dire. Je suis pas ici pour que tu juges de la façon que tu vas me dire de quoi. Je suis pas là pour juger absolument rien. Tu comprends? De sortir. Pourquoi que... Hein? Quand tu me dis que t'es pas un monstre? Non. D'accord. Mais moi, je vais te dire pourquoi t'es pas un monstre. Go. Go. T'es pas un monstre. Parce que, écoute, il y a personne qui peut juger la façon que t'as vécu ta vie. Il y a personne qui peut juger des décisions que tu prends dans ta vie. Puis, dis-toi une chose, Alexandre, que si j'avais cru, si j'avais eu le moindre doute dans ma tête que tu étais un monstre, sais-tu ce que j'aurais fait? Non. Ben, je serais pas ici aujourd'hui. D'accord? Parce que si je voyais en toi là, qu'il y a que t'es un homme noir ou qui a rien à faire avec toi, là. Avec tout ce que je sais, là. OK, de l'événement, d'accord? Ça serait tellement simple pour moi. Moi, j'en sais rien. Moi, je le sais que tu le sais. Mais si, avec tout ce que je sais, la chose la plus simple, Alexandre, sais-tu quoi, qu'est-ce qui aurait été? Je perdrais pas mon temps à te parler. Je ferais rien de ça parce que j'ai pas besoin de ça. D'accord? On s'entend? Oui. Mais moi, je pense que j'ai en face de moi un être humain. Un être humain qui est comme tout être humain, qui a des problèmes, qui a eu des bouts un peu plus tough. Qui a pris des décisions dans sa vie, puis qui mérite que je prenne le temps d'essayer de comprendre. Parce que si on prend ça froidement, là, Alexandre, il n'y a personne qui est capable de comprendre ce qui s'est passé hier. Pourquoi? Non, si on prend ça froidement, tu sais, puis dire, hey, voyons, c'est sûr. Mais moi, là, j'en ai tellement vu, là, des gens dans ta position. OK? Ça
J'en ai tellement vu des gens qui étaient assis comme toi là. Puis je sais que tu mérites, au même titre que les autres, d'avoir la chance de t'expliquer. Et c'est pour ça que je prends le temps. Puis c'est pour ça que j'essaie de comprendre des choses. J'essaie de comprendre, puis j'essaie de te connaître. Puis c'est pour ça qu'on prend le temps. Et c'est pour ça que j'aimerais ça que tu me reparles, si tu veux, de l'ambiance qu'il y avait chez Emma Québec. C'était une job. OK. C'était qui tes... Est-ce que tu avais des amis, là? Ouais. Des vrais amis, là? Mettons là, que tu vas, tu rentres au bureau, Emma Québec, puis là, tu te dis, aujourd'hui, les boys ou les filles, on s'en va manger au resto. Est-ce qu'il y en a qui, avec qui tu allais manger au resto? Mais ça n'a rien à voir avec Emma Québec. OK. Emma Québec, c'est une job fatigante que je ne pouvais plus faire. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a rien qui peut juste. T'as pas eu de problème chez Emma Québec, à part que c'était un job stressant. Ben, le boss, là, comme j'ai dit. D'accord. Je veux pas parler d'Emma Québec. D'accord. Mais tu me jures. Je l'ai dit tantôt. Oui, mais tu me jures. Je veux pas en parler. D'accord. OK. D'accord. On a rencontré. On a rencontré ton père. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il a dit? D'après toi, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il va être... Il va être... bouleversé. Ça, c'est sûr. Il est-tu correct, par exemple? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il est-tu correct ou... Oui. Oui, il sent... Oui. Puis qu'est-ce qu'il a dit, hein? Mon père? Ben, tu comprends qu'il nous a expliqué un peu quelle sorte de personne que tu étais. Mm. OK? Oui. Il nous a expliqué ta journée d'hier. Ouais. Tu comprends? Oui, oui, oui. Entre autres, les inquiétudes qu'il y avait. Oui. Hmm? Oui, il était... Il s'inquiétait pour toi. Je sais. Est-ce que toi, tu sais pourquoi il s'inquiétait pour toi? Oui. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai mon anxiété, tu sais, puis je prends de la boisson avec ça. OK. OK. Mm-hmm. Fait que... Puis ça l'inquiétait, ça. D'accord. Est-ce que hier, tu avais pris de la boisson? Oui. Beaucoup? Oui. Combien? J'avais pris ça à midi. J'ai pris de l'alcool. De l'alcool, de la boisson forte? Oui. Qu'est-ce que tu as pris? Du saké. Du saké? Ouais. D'accord. Puis je l'ai repris après, tu sais, puis. C'est ça. Je l'ai comme repris, puis. Quand tu dis j'en ai repris après les événements? Non, avant. Avant. D'accord. Et je comprends que tu as pris ta voiture. Est-ce que tu étais en état de conduite? Oui. D'accord. OK. Tu dépassais pas. Tu étais convaincu que tu ne dépassais pas la limite de ta cas. Et si tu avais une quantité à me dire, tu aurais pris quoi? Je sais pas. D'accord.
Est-ce que ton père t'en a parlé de ça? Hier? De l'alcool? Peut-être, oui. Est-ce que ta mère t'a vu partir aussi hier? Elle m'a vu partir. Quand t'es partie de chez toi, de chez tes parents hier? Oui, elle m'a vu partir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta mère? Elle voulait savoir où c'est que j'allais. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que j'avais des courses et des affaires à faire et que j'allais peut-être aller à mon champ de tir. Ok. Est-ce que ton père a compris ça aussi? Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont tenté de te dissuader étant donné que tu avais pris de la boisson d'aller au champ de tir? Ben, ils ne savaient pas. Que tu avais pris de la boisson? Oui. Ok. Ils ne savaient pas. Est-ce que si tu penses qu'ils s'en sont rendus compte par ta façon d'être ou... Je sais pas. D'accord. Et est-ce que ton frère était là hier? Non. D'accord. Pourquoi tu as menti à tes parents quand tu allais au chantier? Faut pas qu'ils s'inquiètent, j'imagine. Est-ce que tu crois que ça a marché? Non. Non? Ok. Parce que tu te souviens d'avoir appelé? Oui. C'était pour leur dire quoi, tu te souviens-tu? Non. Tu te souviens pas? Non. Est-ce que tu lui as dit que le chantier était fermé? Peut-être, oui. Ça t'a dit? Oui. OK. Qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Je m'en rappelle. D'accord. Et si je te dis que c'est suite à ça qu'ils ont commencé à être inquiets, vraiment? Oui. Est-ce que tu crois que... Connaissant tes parents, est-ce que tu crois que c'est ça? Oui. Est-ce que... Parce que... On s'entend que si tu lui as dit que tu allais au chantier, est-ce que ça avait rapport au fait que tu voulais amener tes armes à feu avec toi? Il va te souhaiter. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, pourquoi que tu penses que tes parents ont été inquiets quand tu lui as dit que le chantier était fermé? Je veux parler des parents. D'accord. Est-ce que tu connais Mohamed Belkazir? Non. Ton père nous a dit que tu avais un ami qui s'appelait Mohamed. Est-ce que c'est vrai? Non. Mohamed? Mohamed. Un ami qui s'appelle Mohamed? C'est ce que ton père nous a dit. Je me suis peut-être trompé avec le nom, là, mais c'est pas ça. J'ai pas d'ami qui s'appelle Mohamed. Non. OK. Tu aurais pu te tromper, exemple, dans son prénom ou... Oui. OK. J'ai un ami arabe, oui. OK. Comment il s'appelle? Sami. Sami? Oui. Ah, OK. Sami... Alal. Sami Alal? Oui. OK. T'es un gars que t'as connu où? Aux échecs. C'est un bon joueur? Oui. Est-ce que t'es encore ami avec lui? Oui. Est-ce qu'il était de... religion musulmane? Tu sais-tu? Non, il n'était pas musulman, je pense. Il n'était pas musulman? Pas pratiquant, en tout cas. Okay. Est-ce que toi, tu es pratiquant une religion? Non. Est-ce que tu es catholique? De nom seulement. OK, tu as été élevé là-dedans, dans la religion catholique, sans la pratiquer. Mm-hmm. OK. Mohamed. OK. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu fais partie d'un club de tir?
Oui, parce que c'est plus proche pour aller faire du tir que d'aller dans le ZEC, mettons, pour tirer pour le fun. OK. Puis c'est plus structuré, j'imagine. Ouais. Ça, j'aime moins ça. Tu sais, c'est plus proche. Tu n'as pas besoin de conduire jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans le tir? La précision. Est-ce que tu tires de la carabine ou... Non, du pistolet. C'est plus difficile, par exemple? Oui. Est-ce que ton père fait partie du club? Non. Ton frère? Non. OK. Est-ce que tes parents, ça les a inquiétés que tu deviennes membre d'un club? Ben... Au début, oui, mais tu sais, j'étais déjà un chasseur, fait que, ça l'ensemble un peu. C'est ça. Ben, d'une certaine façon, ça te montre le maniement quand même de façon sécuritaire. Oui, c'est ça. Dans des contextes plus sécuritaires. Un pistolet, c'est pas plus dangereux qu'un 12 non plus. Non. Est-ce que des fois, tu tires de la carabine là-bas aussi ou seulement du... Juste du pistolet. Puis toi, quand tu vas à Perdrix, t'as-tu une carabine ou... Non, j'ai un 12. Tu tires de la Perdrix au 12? Oui. Tu dois magasiner en temps. Oui, oui, oui. Ouais, OK. Est-ce que par hasard, j'imagine que pour avoir des armes de poing, t'as un permis là, pour les transporter? C'est obligatoire. Mm-hmm. OK. Et... Tes armes, est-ce qu'ils sont chez tes parents ou ils sont chez... Ils sont chez moi. À ton appartement, ça... Ben non, chez moi, c'est chez mes parents. Okay. L'appartement, j'y vais rarement. Tu sais. Ça, c'est chez ton frère? Mon frère, c'est ça. OK. Donc, tes armes, est-ce qu'ils sont entreposées de quelle façon chez toi? Ben, de manière sécuritaire. Avec le trigger lock dessus, puis... Dans un coffre, puis tout, puis les munitions mises séparément aussi. D'accord. C'est important. Est-ce que hier, tes parents, ils t'ont vu partir avec tes armes? Non. J'ai fait ça vite. Ouais. OK. Je vous ai dit que je partais, par exemple. Tu te disais à tes parents que tu partais, ouais. Mais pour aller tirer au club. C'est ça. Et est-ce que tirer le dimanche soir comme ça, c'est normal? Tu sais, ouais. Au club, là? C'est ouvert souvent. Est-ce que ça a déjà arrivé que tu es allé tirer le dimanche? Il me semble que oui. OK. Quand les policiers t'ont arrêté hier, t'avais un Mitsubishi. Est-ce que c'est à toi, ça? C'est à mon père. Il est au nom de ton père? Ben, ouais, je suis comme dessus aussi. D'accord. C'est à ton père, mais tu l'utilises quand même souvent. Ouais. Est-ce que toi, es-tu quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux? Ben, es-tu un gars sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook, mais là, je ne veux plus parler. Pourquoi? Parce que c'est... Je te l'ai dit depuis le début, ça allait être ta décision. D'accord? Oui, je suis sur Facebook. Est-ce que tu fonctionnes sur ton nom? Oui. D'accord. Sur Alexandre Pissonnet? Mm-hmm. OK. Est-ce que tu utilises d'autres réseaux sociaux, Instagram ou je sais pas. Ben, j'étais sur Twitter pendant un bout de temps. Jusqu'à ce que ça m'écœure et que je quitte ça. Pourquoi ça t'écœure? Parce que... Moi, j'ai essayé, j'ai pas aimé. Je ne veux pas aimer, je ne suis pas vraiment bon. Puis...
trouvais que le monde avait des opinions idiotes là-dessus. Ok. De quel genre? Ouais. Des niaiseries qu'ils disaient. Puis ça me fatiguait, je pense. Ça fait-tu longtemps que t'as arrêté ça? Ça fait peut-être un mois que j'ai délité mon compte. Ok. Tu marches sur quel nom, toi? Twitter? Je pense que c'est Alex Bissot. Bissot? Ouais. Ok. T'étais-tu un adepte de Twitter, ou? Non, j'aime pas ça du tout. Comme j'ai dit. Non, mais. T'as, à un moment donné, t'as découvert que les gens disaient des niaiseries là-dessus. Ouais, mais à un moment donné, au début, t'étais-tu un. Cet été, j'ai découvert ça, ouais. Ok. Cet été. Fait que pendant un certain temps, là, t'étais vraiment actif là-dessus, ou ben pas plus qu'il faut, ou. Ben, pas plus qu'il faut, mais j'étais quand même là. Ok. T'es-tu quelqu'un qui suit la politique, toi? Oui. Canadienne? Mm-hmm. OK. États-Unis aussi. OK. Est-ce que tu trouves qu'on a un bon premier ministre au Canada? Tabarouette. T'as pas un moi, non? Ben, c'est pas ça que j'ai dit, là. Je t'ai vu... Je ne sais pas où je t'ai demandé, mais est-ce que tu trouves qu'on a un bon premier ministre au Canada? Mais pourquoi vous me posez cette question? Je ne sais pas, tu es quelqu'un d'intelligent. Je veux avoir ton opinion. Mais pourquoi vous voulez savoir ça, par contre? Là, vous voulez ça savoir. Ben, tu peux me le demander, moi. Donne-moi mon opinion. C'est quoi? Est-ce que vous trouvez que le premier ministre est un bon premier ministre au Canada? Non. Non? Non. Pourquoi? Il ne rejoint pas mes valeurs en moi. Ah non? Non. C'est quoi ces valeurs? Mes valeurs? Oui. Du coup, c'est. Les valeurs, c'est un. Il va nous mettre dans la déchéance politique, économique. Il met mon pays, d'une certaine façon, en danger de façon économique et en sécurité, la sécurité. Stephen Harper me rejoignait beaucoup plus. Tu comprends, moi, je suis un policier. C'est normal que Stephen Harper, qui est un peu centre-droite, qui me rejoignait beaucoup plus. Est-ce que c'est vrai, ce que vous dites là? Oui, c'est vrai. Oui? Oui. Oui, c'est vrai. Que je suis quelqu'un qui a voté pour Stephen Harper. Mm-hmm. Ça, oui, mais le reste, est-ce que bien vous sûr, bien sûr. Économiquement, je sais que Stephen Harper a fait des bonnes choses. Et pour le côté sécurité, le côté, je trouve que pour mon pays, parce que je ne suis pas indépendantiste, je trouve que c'était quelqu'un de très bien. Il n'était pas parfait, mais ouais. Il était bien. Toi, est-ce que tu trouves qu'on est un bon premier ministre? Est-ce qu'il te rejoint? Tu sais, ils disent qu'il ne faut pas parler de religion, de politique. Oui. C'est quoi le troisième, non? C'est... L'argent. Des choses comme ça. Ouais. En tout cas, il y a trois choses qu'il ne faut pas parler. Donc, je vais m'abstenir de faire des commentaires sur okay. Ça. En tout cas. Est-ce que, étant donné que c'est notre premier ministre, c'est notre pays, tu me dis que tu suis la politique américaine? Oui. Est-ce que tu as suivi les élections? Oui, j'ai suivi les élections. Et puis? Tu as trouvé ça intéressant? Mm-hmm. OK. Est-ce que tu étais comme toutes les autres qui disaient que pour 300 millions de population, c'est incroyable qu'il soit tombé avec deux candidats comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disaient ça. Qu'il y ait deux candidats comme quoi? Comme Clinton et Donald Trump. Comme de quoi que, avec une population de 300 ou 350 millions aux États-Unis. On voulait dire que c'était des mauvais candidats?
qu'il y aurait pu avoir des candidats un peu mieux. OK. On s'entend que beaucoup de journalistes ont dit ça. J'ai vu des reportages qui disaient, de la population américaine qui disait ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, non. Parce que je pense que c'est des symptômes de l'époque dans laquelle on vit. Fait que c'est normal qu'il y ait ça. C'est deux candidats. OK. Et toi, si tu avais eu à voter aux États-Unis, t'aurais-tu voté premièrement? Non. Parce que contre. T'es pas quelqu'un qui va voter. Je suis pas un Américain, c'est pour ça. Non, si t'es Américain, je dis. Avec les connaissances que tu connais, tu me dis que tu suis ça. T'es peut-être mieux placé. Est-ce que t'aurais voté pour un candidat ou un autre? J'aime mieux pas parler de politique tout de suite. Tout de suite? Oui. Parce que tu veux m'en parler plus tard? Peut-être, oui. D'accord. OK. Oui. De quoi tu veux parler? Pour que je puisse comprendre. Hier, là, il n'y a pas d'enfants hier. Il n'y a pas d'enfants qui ont été touchés. Non. Non. OK. Est-ce que tu as fait attention à ça? Je dois dire qu'il y avait des enfants, mais il n'y a pas d'enfants qui ont été touchés. OK. C'est important pour toi? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi? Ça, c'est important. Parce que je me suis comme rappelé un peu. Puis il me semble que, tu sais, comme je dis, c'était comme un éclair. Là. Je suis passé à travers comme ça. Puis c'est comme si j'avais comme perdu le contrôle. Tu sais, puis je me suis rappelé que. Que tu voyais des enfants. Ouais. Okay. Le matin, je les ai vus. Est-ce que tu voyais des femmes aussi? Non. OK. Non. D'accord. C'est quoi d'autre? Il y en avait-tu? J'ai pas l'information que des femmes pour l'instant. Mais je peux pas te jurer qu'il y en a pas ou autre. Tu comprends? Oui. Mais je sais qu'il y a pas d'enfants. Merci de me le dire. Je te l'ai dit que Alexandre, oui. Regarde-moi. Qu'est-ce que je t'ai dit à la première affaire que tu fais aujourd'hui? Je t'ai dit que jamais j'allais pas te compter de m'entrer. OK. D'accord? Oui. Puis je vais respecter ma parole. D'accord? Si tu as des craintes. Mon avocat m'a dit de garder le silence. Bien sûr. C'est sûr que ça serait peut-être mieux pour moi de garder le silence. Mais ça va être ta décision. Je veux en parler. Sinon, c'est sûr que je garderai le silence. Bon, moi, si je ne voulais pas en parler, j'en parlerais pas. Là. OK? Oui. Moi, là, je suis ici pour comprendre des choses. D'accord? Parce qu'il y a des choses à comprendre là-dedans. Es-tu d'accord avec moi? Il y a des choses. Tu sais, à un moment donné, là,
sais pas le point de départ. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé, Alex. Yes. Pour que on en arrive là. T'es parti de chez tes parents. Si j'avais pas bu hier, ok, je serais pas ici. D'accord. Ok. C'est quand que t'as commencé à penser à ça? Hein? C'est quand que t'as commencé à penser à ça? À penser à la suite des choses. La suite des choses? Hier, tu me dis, si j'avais pas bu, ça serait pas arrivé. C'est ça? Je serais pas ici. Tu serais pas ici. Parce que ça serait pas arrivé? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça que je pense. D'accord. Mais hier soir, là, quand t'es parti chez tes parents, puis que t'as pris tes deux armes à feu, où tu t'en allais? Je me serais promené. D'accord. Puis pourquoi tu as choisi cet endroit-là? Ben. C'est. Moi, je voulais sauver les gens. Tu voulais sauver les gens? Sauver les gens de... Des attaques terroristes. Ok. Tu sais... Peut-être avec mes actions... Avant de me tirer dans la tête, plutôt que de rien faire ça chez nous. Dans ma chambre, sur le mur, tout ça. Ou bien dans le bois quelque part. T'sais. Je me suis dit hier que peut-être que grâce à ce que j'ai fait, il va y avoir peut-être une centaine de personnes qui vont être sauvées. Peut-être 200. Peut-être 300 personnes aussi. On sait jamais. T'sais. On sait jamais. C'est ça. Je me suis dit. Donc, hier soir, si je résume. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Puis au Canada aussi.
aux États-Unis, juste cet été, tu sais. Ça, je me suis dit que tant qu'à y être, tu sais, je pourrais essayer peut-être de faire quelque chose de bien, tu sais. Donc c'était ça que tu avais en tête hier soir? Oui. Ok. Est-ce que c'est un endroit que tu connaissais? Oui. Pourquoi? Ben, je sais où est-ce qu'il était sur la route. Est-ce que c'est un endroit que tu étais déjà allé? Je suis jamais allé, non. Donc, hier, c'était la première fois que tu mettais les pieds là. Oui. D'accord. Est-ce que tu avais fait. Tu savais parce que tu voyais en passant qu'il y avait. On va utiliser une mosquée. On s'entend tous les deux? Oui. OK. Tu savais qu'il y avait une mosquée là parce que tu l'avais regardé sur des panneaux ou bien tu as fait des recherches Internet ou. Mais. Ça, c'est une question auquel on connaît la réponse. Je savais qu'il était là. OK. Est-ce que tu avais fait des recherches sur Internet? Oui. OK. Quand? Ça faisait un bout de temps que j'en faisais des recherches sur Internet. OK. Est-ce que tu avais ciblé un autre endroit? Ou y en a-tu d'autres à Québec? Je sais pas. Je te pose la question. Je sais vraiment. Non. Qu'est-ce que tu avais regardé? Est-ce que tu avais regardé les plans? Est-ce qu'il y avait des plans dans tes recherches ou tu avais des heures ou des. Juste les heures. OK. Donc, est-ce que hier tu savais que à telle heure il y avait une messe ou on utilise une prière? Oui. OK. Quand tu es arrivé là-bas, est-ce que tu es arrivé avec ton véhicule? Ton Mitsubishi? OK. Tu l'as stationné où? Dans la rue. Dans la même rue? Ouais. Ou un petit peu plus loin? Dans la rue. OK. Est-ce que tu étais seul? Oui. Il n'y a personne qui t'a aidé? Quelle sorte d'arme que tu avais? Ceux qui étaient là-bas. OK. Est-ce que tu peux m'y nommer? Est-ce que tu peux m'y décrire? Ben, j'avais un pistolet. Glock. Qui t'appartient à toi? Oui. OK. Puis une vésienne. Une quoi? Un autre pistolet? Non, une carabine. C'est quelle sorte de carabine? Ah! Je veux pas en parler. C'est important que tu me l'expliques. Pour que je comprenne. Je veux plus en parler. Est-ce que tu l'as utilisé, la carabine? Non. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est enrayé ou est-ce que. Non. Donc, tu ne l'as pas utilisé. Elle serait où présentement? À terre. Tu l'as laissé tomber par terre?
Et t'as continué avec ton pistolet? Oui. Un seul? T'avais combien de chargeurs? Tu te souviens-tu? Non. Plusieurs? Je sais pas. Un, deux, je sais pas. À ta connaissance, toi, tu te souviens-tu comment t'as pu tirer de coups? Non, je me rappelle pas. Peut-être 10. Dix coups. Okay. Un chargeur, peut-être. Y avait-tu beaucoup de monde? Non. Y avait personne. Ça t'a-tu surpris? Oui. Est-ce que t'as commencé à tirer à l'extérieur ou? Je sais pas. Je me rappelle pas. Ok. Comme j'ai dit, c'est comme ça a passé là. Est-ce que tu as fait de la surveillance avant? La surveillance? C'est passé pour voir s'il y avait beaucoup de voitures dans le stationnement ou. Ben, je passe souvent par là, mais non, il me semble que non. Okay. Non, hier soir. Hier soir? Est-ce que tu as fait de la surveillance pour. Toi, tu es arrivé dans le secteur, tu te souviens-tu combien de temps avant? Je suis arrivé et j'étais comme tout. Non, je m'en rappelle. Est-ce que tu t'es promené à l'intérieur? Non. Tu te souviens-tu? Non. Je m'en rappelle de rien de ça. OK. Vous m'avez dit qu'il y avait eu 6 personnes. Puis ça, je trouve que ça se peut pas. Parce que j'ai tiré n'importe où. Okay. Ben, ça, tu te souviens d'avoir tiré n'importe où? C'est juste le truc que je me rappelle. Okay. Est-ce que tu te souviens que il y a des gens qui ont tenté de t'arrêter? Non. T'es sûr? Oui. Quelqu'un qui a essayé de m'arrêter. Hmm? Qui ça? Une personne qui était là. À l'intérieur. Elle a-tu réussi ou? Ben non. Mais il n'est pas décédé, par exemple? Oui. Dis-moi qu'est-ce que tu te souviens à l'intérieur. Je me rappelle qu'il y avait... Je suis rentré. Tu te souviens-tu par quelle porte? Il y avait des lumières. Tu te souviens-tu par quelle porte que t'es rentré? Non. Je me rappelle qu'il y avait comme une lumière jaune sur les colonnes. OK. Puis qu'il y avait du monde dans le fond. Est-ce qu'il était en prière? Non. Non, non, il était dans le fond. OK. Complètement dans le fond. Puis après ça, ils ont disparu. OK. Quand j'ai commencé à tirer, ils ont disparu. D'accord. Puis après ça, ils sauvaient. Je sais pas. Okay. J'ai juste qu'à un moment donné, il n'y avait plus personne dans la pièce. J'étais comme tout seul, comme ça. Puis là, après ça, ben, j'ai décidé de partir. OK. En courant. T'es-tu revenu? Non. Certain? Oui. OK. Es-tu revenu? Je te demande. Je suis revenu? Je te pose des questions. Non. OK. C'est quoi le... Est-ce qu'il fait clair à l'intérieur? Oui, il y avait une lumière jaune, comme ici. Aussi clair qu'ici? Il me semble que oui. OK. Puis les gens que tu vois, là, dans le fond, ça peut être quoi la distance? Comme dans une porte, dans le fond. C'est quoi la distance? Ah, c'est loin. Okay. C'est loin, là. C'est loin, loin, loin. OK. Toi, t'es-tu gaucher ou droitier, toi? Je suis droitier. Est-ce que tu portes des lunettes? Oui. Est-ce que tu les avais hier? Je sais pas. Peut-être. D'accord. Peut-être que je les avais, oui. Je sais pas. D'accord. Ça, c'est... J'aurais jamais pu faire ça. Tantôt, tu voulais me parler de... Quand j'ai jeté ma carabine, c'était fini. Que? Après ça. Que?
Tantôt, tu m'as parlé que peut-être que si on change un peu de sujet, il y a peut-être des images qui vont te revenir. On va prendre un petit recul. Tantôt, tu voulais me parler, tu m'as dit que tu allais me parler de la politique américaine plus tard. Est-ce que tu es prêt? Oui, non. Pourquoi? Ben, ça me tente pas de parler de politique. Est-ce que t'es écœuré de la politique. Est-ce que ça rejoint ton idéologie? Mon idéologie? Ouais. Mais j'ai pas d'idéologie. Est-ce que, par exemple, la position de Donald Trump, ça peut rejoindre un peu ce que tu penses? Ça dépend. Si je te parle en fonction des immigrants ou quelque chose, est-ce que ça... Oui, je le suis. Peut-être, oui. Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu le suivais sur Twitter ou quelque chose? Oui. OK. Et lorsque tu me dis tantôt que tu as arrêté parce qu'il y a des gens qui disaient des conneries sur Twitter, ouais. Est-ce que ça a rapport à des réponses qu'ils disaient suite à des commentaires de Donald Trump ou des gens qui ben, pensent... C'est sûr de niaiserie, là. C'est des affaires plus importantes, là. OK. Qui sont niaiseuses. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des musulmans? Personnellement. Moi, je veux pas en parler. Ça serait important. Tu trouves pas? Oui. Tu n'as eu des problèmes? Oui. De quel ordre? C'était il y a longtemps, tu sais, à l'école. Puis... Au secondaire? Mm. Des problèmes de quel ordre? Ben, il y en a un qui était tout le temps sur mon dos, tu sais. Il riait de toi? Pour ce que tu étais ou oh, oui. Pour ce que les problèmes que tu avais ou quelque chose? Tout ça. Son nom, c'était Sofiane. Sofiane? Oui. Tu te souviens encore de son nom? Mm-hmm. De famille aussi. C'est quoi? C'est Boudjila. Sofiane Boudjila. Mm-hmm. Puis ça, c'était en secondaire quoi? 4. 4. Donc, secondaire 4, on a environ 15 ans. Ouais. Ça fait 12 ans, mais de ça. Je pense que ça n'a pas rapport, par exemple. Mais est-ce qu'on peut penser que ça a commencé un début? Une façon de penser? Non, hein? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport? Je pense pas. Non. Est-ce que tu es capable de m'identifier peut-être? J'ai pas de haine, OK, pour personne. OK? Bien sûr. J'essaie de trouver un événement qui aurait pu faire en sorte. Est-ce que toi, tu es capable d'en identifier un événement qui pourrait faire en sorte que. D'une certaine façon, tu as commencé à avoir des pensées ou une façon. Oui. Ben, c'est sûr que c'est les attentats terroristes qui tuaient plein de monde qui m'ont. Tu sais, fait penser à ça, tu sais. Tu as commencé à penser à ça, là, c'est quel attentat, la première? Qui a commencé à te toucher, là, puis. C'était en 2014, avec l'attaque du Parlement. Parlement à Ottawa. Oui. Okay. Et après ça aussi, le camion, tu sais, qui a écrasé plein de monde, puis tu sais, des enfants, puis tout ça. À Nice? Oui. Des femmes et des enfants, tu sais. Mm-hmm. 80 personnes, tu sais. Oui. Oui. 80. Puis... Dans une fête où tout le monde pense qu'ils sont en sécurité. Je suis comme sûr qu'ils vont venir comme tuer mes parents aussi et ma famille. OK. Ça, j'en suis convaincu. OK. Puis c'est ça, pour ça, tu sais, il fallait que je fasse quelque chose, tu sais. Pour... Tu sais. OK. Est-ce que. Donc, tu
Tu avais regardé les horaires, tu savais que le dimanche, il y avait des prières. Ouais. Est-ce que la journée du 29 représente quelque chose de spécial pour toi? Ou oui. Ça, c'est quoi? Oui. Ben là, j'ai écouté la télé, puis... Yeah. Oui. Puis on a su que le gouvernement canadien allait prendre plus de réfugiés, t'sais, ceux qui ne seraient pas admis aux États-Unis seraient rendus ici. T'sais. Là, j'ai comme perdu la carte. T'sais. C'est là que tu as décidé que ça allait être. Oui, c'est ça. T'sais. Ça c'est ça pas, pour pas ça. Que ça tienne comme en Europe. T'sais. C'est hier matin que tu écoutais ça? Ben, pendant la journée, oui. Okay. Comme en Europe, ce qui se passe en Allemagne. T'sais, en France, en Belgique aussi, aux Pays-Bas, en Norvège, en Italie, partout, tu sais, ça s'en vient, tu sais, ça va venir ici, tu sais. Ça, c'est... Puis là, tu sais, je voyais ça, puis ils vont tuer mes parents, puis ma famille, puis tout ça, puis moi aussi, tu sais, puis, tu sais, j'étais sûr de ça, là, tu sais. OK. Puis là, ben là, il fallait que je fasse quelque chose. Pas rien faire. C'est quelque chose qui me torturait à le faire. Là, d'accord. Tu veux pas de protection. Ça fait des mois que ça me torture là, à le faire. Là, à chaque jour, je t'inquiète, je t'anxieux à travers le plafond. Pis... Okay. Je sais plus quoi faire. C'est rendu que je voulais me suicider à cause de ça. T'sais. Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Non. Non. Mais je pensais que les pilules régleraient le problème, par exemple. Mais ça n'a pas réglé le problème. Ça l'a rendu pire. OK. Tu n'en as jamais parlé à ton frère? Jamais. OK. Est-ce que tu as eu des discussions avec des gens? T'sais, on parle toi et moi, là. Tu me parles un peu de ta façon de penser, je t'ai parlé un peu de ma façon de penser. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des conversations où tu émettais des commentaires ou avec des amis? Oui, mettons oui, avec Jeff. Oui, j'en ai déjà parlé, oui. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tenté de non. mettre ça un peu plus soft? Ou... Non. Non, le monde avait l'air d'accord avec ce que je disais. Est-ce qu'à l'université Laval, t'as eu des problèmes avec des musulmans? Non. D'accord. Mais c'est sûr, tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, puis moi, ça me stressait beaucoup, tu sais, okay. quand j'étais là. Tu sais, on sait jamais ce qui va se passer, puis c'est constant comme ça. Puis là, il va y en avoir plus, tu sais, puis plus. Puis là, moi, je ne savais plus quoi faire. Okay. Comme j'ai dit tantôt, je me suis dit aussi que ça va peut-être sauver des vies, peut-être ce que j'ai fait. Okay. Je le rationalise comme ça. Okay. Est-ce que je ne suis pas un terroriste. Est-ce que je t'accuse de terrorisme, je suis pas un terroriste. Est-ce que t'as déjà fait des recherches par ordinateur ou quelque chose, pour exemple l'État islamique ou quelque chose? Sur l'État islamique? Ben oui. Oui, j'ai checké. Est-ce qu'il y a des choses... massacres aussi, tu sais, Est-ce qu'il y a des choses dans l'État islamique ou quelque chose qui te rejoint ou... Non, je ne fais pas partie de l'État islamique. Non, je te le demande. Au contraire, ça me... c'est horrible, tu sais, que je trouve. D'accord. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non. Est-ce que tu me donnes 2 minutes? Oui. As-tu besoin d'aller à la salle de bain? Non. OK. Fait que si tu as besoin, tu as juste à nous le dire. On est à côté. D'accord? OK. Thank you.
parti où, l'autre? Il est parti rencontrer des gens, puis ils vont voler. J'ai comme l'impression que mes parents sont en danger. Sont-ils corrects? Ou... Non, tes parents, ta famille, tout le monde est bien correct. Ils sont pas en danger? Pas du tout. Vous êtes sûr? Oui, certain. J'ai ça dans ma tête, là. Non, non, il n'y a aucun problème avec ta famille. Puis, s'ils vont venir, ce ne sera pas. OK? Thank you.
exemple, mes parents sont corrects, ils ne sont pas en danger ou ils ne vont pas se faire attaquer. Ou... Attaquer par qui? Ben, ils sont corrects, là. Qu'est-ce que je t'ai dit au début, Alex? Oui, mais c'est dans ma tête, puis je suis pas capable de l'enlever. D'accord. Fais-toi les infos, ils sont bien corrects. OK? J'ai deux, trois petites questions à te poser. Oui. OK? J'aimerais ça qu'on vienne sur la carabine. Où tu l'avais pris, la carabine? Hein? La carabine que tu as laissée tomber par terre. Oui. Ça appartient à qui, cette carabine? À moi. C'est quel calibre, ça? 223. Une 223? Oui. OK. Est-ce qu'elle était chargée? Oui. OK. Puis pourquoi tu as laissé tomber par terre? Ben, parce que je voulais pas faire un gros... Peut-être que ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est que je voulais pas, t'sais, faire du gros dommage avec ça, t'sais. OK. C'est parce que tu as vu les enfants ou... Hein? Oui. Tu pensais d'être moins précis avec ça, puis... Fait qu'avec un revolver, tu te sens... Ou un pistolet, c'était plus précis. Non, c'est que... Non, c'est pas ça. Je voulais pas faire un gros ravage, tu sais. OK. Avec ça, tu sais. OK. C'est pour ça. D'accord. Je voulais te demander quelque chose. Tu sais, hier, quand t'as été dans les cellules, là, du début à la fin, quand t'as été mis en cellule hier, tu te souviens hier? Tu te souviens? Quand ça? Hier. Cette nuit, quand t'as été arrêté, t'as été amené dans les cellules de la ville de Québec. Oui. OK? Avant d'être amené ici. Tu te souviens? Mm-hmm. Est-ce que les policiers qui étaient avec toi, parce qu'à l'occasion, ils allaient te voir pour vérifier si tout allait bien, est-ce qu'ils t'ont posé des questions en rapport au dossier ou quelque chose? Ou... Non, pourquoi? Pour savoir. Parce que je n'étais pas sûr. Je voulais m'assurer de ça. Non. D'accord? Ils n'en savent pas plus que moi qui ont dit. Parfait. Il y avait bien raison. Est-ce que... Du moment que tu pars de chez toi... Je suis quelque chose à mes parents, puis à mon frère. Du moment que... Je suis sûr. Du moment que t'es parti chez tes parents hier soir. Du moment que t'es... Du moment que t'es parti chez tes parents hier. Regarde-moi. Quand t'es parti chez tes parents hier... Je ne peux plus en parler. Pourquoi? Parce que... J'étais écœuré, je ne peux plus en parler. C'est important. Non, c'est pas important, je ne peux plus en parler. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, je le sais. Je sais ces choses-là, OK? Puis là, je le sais, là. Comme ce matin, que cette nuit, j'ai eu mon rêve, puis c'est quelque chose qui est en train de se passer, là, en ce moment, là. Sont où mes parents? Tu veux parler? Peut-être. Oui. Ouais. Oui. Bon. Sois-tu ici? Non, sois pas ici. Sois pas ici, ils sont où? Avec chez eux. Ben non, sois pas chez eux. OK. Je vais te faire parler à tes parents plutôt. D'accord? Arrête là. Alex, arrête. OK? Est-ce que il y a quelque chose d'autre que tu veux me dire? D'important. Comme quoi? Je sais pas. Je t'offre la parole. D'accord? Je sais pas quoi dire, là. T'as rien d'autre à me dire? Non. D'accord. Ce que tu me dis, c'était la vérité? Ben oui. OK. Fait que ce qu'on va faire, on va mettre un terme à notre rencontre. D'accord? Comment ça a été? Comment t'as trouvé ça? Hein? Je sais pas là ce qui se passe là. D'accord. Mais je te parle de notre rencontre. J'ai trouvé que c'était plein de questions. Ben. Pas rapport. D'accord. Fait que c'est correct? T'as rien d'autre à me dire? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je sais pas. C'est toi qui peux me le dire. Si t'en reviens des flashs, il faut que tu m'y dises. C'est important.
Non? Je sais pas pourquoi. Bon. Fait que, tu vas venir avec moi? Alex, tu vas venir avec moi? C'est bon? OK? As-tu besoin de quelque chose? Oui. Il n'y aurait pas une porte de sortie que je pourrais avoir de tout ça, tu sais. Écoute, Alex, tu comprends une chose. T'sais, Alex? Hier, je l'avais, puis là, je ne l'ai plus. C'était quoi ta porte de sortie? C'était te suicider, vrai? Ben oui, j'allais conduire jusque dans le bois. Okay. Puis j'allais arrêter mon auto proche des montagnes, là, du parc Grand Jardin. Puis j'allais aller marcher là-dedans un peu, puis après ça, j'allais me tirer dans la tête. Donc. OK. Puis c'est ça que je veux faire avant ce moment. OK. Parce que t'as honte? Hein? OK. J'aurais une dernière question. C'est très important que tu sois honnête avec moi. Oui. D'accord? Comme depuis le début. Oui. D'accord? Hier, quand t'as décidé là, que c'était aujourd'hui que t'allais faire ça. Oui. Hier matin, t'écoutes la télé. Tu vois un reportage ou quelque chose concernant que le Canada va accepter plus d'immigrants parce que les Américains disent qu'ils vont en accepter moins. Oui. Tu t'entends? C'est un peu ça, là. Oui. OK. Lorsque tu as pris ta décision, là, que c'est ça que tu allais faire, oui. OK, aller sauver des vies, là, oui. Dans ta tête à toi, c'était... Mais oui. OK, parfait. Mais tu savais que ce que tu allais faire, c'était mal, quand même. Est-ce que tu savais qu'il allait avoir des conséquences à ton geste? Ben non, c'était pas mal partout. C'est pas mal du tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu savais que t'allais faire de la prison si la police te poignait? Non, parce que j'allais me tirer dans la tête. OK. Et j'allais pas faire de prison. Mais tu t'allais te tirer dans la tête pour ne pas faire de prison? Ben non, c'est juste que ça allait. J'ai même pas pensé que je finirais en prison. Parce que toi, ta décision était prise. Ben oui. Ça finissait là. Puis. OK. D'accord. Puis c'est pas mal ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, il y a des gens qui vont être sauvés, là. Puis ma famille aussi va être sauvée. Mais si je te dis, là, que... Ma famille va être sauvée aussi. Que tu t'es jamais posé la question que ces personnes-là que tu as tuées, là, c'était des pères de famille. Oui. Hein? Oui, j'y ai pensé. C'était des maris. Oui. Des frères. Mm-hmm. Des pères, oui. Hein? Des oncles. Tu as pensé c'est à ça? C'est pas ça aussi que... Hein? Tu as pensé à ça? Oui. Hein? OK. C'est pour ça que j'ai honte comme ça aussi. T'as honte? D'accord. Viens avec moi. Ce qu'on va faire, on va fermer la vidéo. Je vais t'en rentrer ici après. D'accord? En attendant. Mm-hmm. Ben, parce que ça sera plus enregistré, notre rencontre est terminée. Okay. D'accord? Viens avec moi. Je vais juste rester ici.